Donc je m'appelle Noëlle Henry, je suis donc candidate pour les élections européennes donc sur la liste de Marie Toussaint et je suis également élue localement à Quimper où je suis conseillère municipale dans la majorité. Et à côté de ça, je suis étudiante en droit de l'environnement et de l'urbanisme et je travaille sur la protection des milieux aquatiques au sein du ministère. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en parler juste après. Juste un petit mot pour dire que je suis très contente de revenir à Pont-l'Abbé parce que je suis originaire de Pont-l'Abbé, j'ai grandi ici, donc ça me fait plaisir de revenir à la maison. Donc pour parler justement protection des milieux aquatiques, on sait que notre ressource en eau et aussi la qualité de nos milieux aquatiques, ils sont dégradés, ils sont en danger et on sait que ça va s'accentuer s'il n'y a pas des mesures qui sont mises en place. C'est une préoccupation majeure et aujourd'hui il y a des menaces qui sont fortes, qui pèsent dessus. Tout d'abord, pour parler un petit peu de la répartition de l'usage de la ressource en eau, à peu près la plus grande majorité, on va dire un quart, c'est pour l'eau potable, la ressource en eau potable, donc à peu près 34%. Et le reste, ça va être pour l'industrie, ça va être pour l'agriculture, ça va être aussi pour le tourisme. Et justement, pour faire le lien avec l'agriculture, il y a un gros enjeu sur l'agriculture et qui porte atteinte à la protection en eau, qui est l'enjeu autour de l'utilisation des pesticides. Car on sait que les pesticides, donc, ce sont des substances chimiques industrielles et c'est l'une des principales raisons de la contamination de l'eau. Alors, il y en a d'autres et on a parlé tout au long de la journée. Et justement, ces pesticides, ça continue de polluer durablement l'eau, mais aussi les sols. Ça a un impact sur les milieux aquatiques, mais aussi les milieux terrestres. Et en Bretagne, particulièrement chez nous, dans le Finistère, on sait les impacts qu'ont l'agriculture et les pesticides. Alors, quand je parle d'agriculture, c'est évidemment l'agriculture intensive avec une forte utilisation de pesticides. On sait l'impact que ça a chez nous sur nos cours d'eau. Et c'est là où il y a un enjeu sur la nécessité d'une transition aussi vers une agriculture qui va être plus protectrice de nos milieux. Et donc, ça va passer par moins d'utilisation de pesticides, sachant qu'aujourd'hui, on sait l'impact que ça a sur notre santé. Et je pense qu'aujourd'hui, on l'a bien montré, l'impact que ça a sur la santé. Et je voulais remercier tous les intervenants qui en ont parlé parce que c'est très important, mais on sait aussi l'impact que ça a sur nos milieux et qu'on a besoin justement de cette agriculture respectueuse de nos milieux et de la santé humaine et animale. Alors, quel est concrètement en fait l'impact des pesticides? C'est que cette agriculture justement intensive par l'utilisation de pesticides, elle vient appauvrir les sols et réduire la richesse des biotopes. Et on a donc des espèces locales ou invasives qui vont se développer dans cet environnement qui est complètement transformé et qui deviennent alors parasites. Et donc, on va les considérer comme des nuisibles et qui vont être détruites pour protéger, je mets vraiment des guillemets, protéger les cultures. Et comment on les protège? Eh bien, justement, à faire appel à ces pesticides qui vont après s'infiltrer dans les nappes phréatiques, dans nos cours d'eau et qui vont venir les polluer et les impacter et nous impacter nous. L'autre problème, c'est que justement ces pesticides, ils sont de plus en plus utilisés de manière préventive et pas justement curative. Et donc on a une complète automatisation, une systématisation de l'utilisation des pesticides. Et donc, on revient au cœur du problème, c'est quels sont les impacts concrets des pesticides sur nos milieux. C'est que cette pollution par les pesticides, elle est complètement omniprésente. C'est-à-dire que l'eau étant un solvant, elle va amener l'ensemble de ces produits chimiques, enfin, de ces pesticides, partout dans notre environnement, on en retrouve dans tous nos milieux. En France, il faut savoir que la très grande majorité des eaux de surface, donc les eaux de surface, les étangs, les rivières, les lacs, etc., montrent la présence de traces plus ou moins concrètes des pesticides aujourd'hui. Voilà, c'est quelque chose qui est avéré.
Et on le voit notamment dans l'eau, dans nos eaux courantes, où la majorité en fait, des captages d'eau sont destinés à fournir l'eau courante et potable qui porte en fait, des traces de pesticides. Là encore, c'est avéré. Et donc, si évidemment certains sont traités pour tenter de les réduire, ce n'est pas le cas de la majorité. Et l'autre problème, c'est que même si, quand les études sont faites, eh bien, on voit que les doses sont considérées comme acceptables, eh bien, en fait, il y a quelque chose qu'on ne prend pas compte, c'est l'effet cocktail, on en a parlé également tout à l'heure, ou encore de l'accumulation en fait, de ces substances. Le second problème que l'on a, c'est eh bien, les stations d'épuration qui sont aujourd'hui pas adaptées. Surtout face, alors il y a plusieurs facteurs, mais aussi face aussi à l'urbanisation croissante, où bah, c'est trop difficile à suivre pour les stations d'épuration et que aussi, en fait, tout simplement, à la base, elle était déjà mal adaptée. Donc, on a ce problème au niveau du réseau d'assainissement, qui sont donc de capacité insuffisante et pas adaptée, eh bien, pour y accorder les nouvelles zones urbanisées. Récemment, justement, il y a eu, c'était en avril, fin avril, en Espagne, la Cour de justice, les associations qui portaient ça ont réussi, et la Cour de justice, elle a jugé que nouvelle zone qui était urbanisée a été interdite, justement, à être créée, parce que le réseau d'assainissement n'était pas suffisamment adapté. Et en France, on a, au sein de l'Union européenne et au niveau national, des outils juridiques qui pourraient permettre de faire la même chose, sauf qu'elles sont soit difficilement mobilisables ou pas encore totalement adaptées. Et ça me fait penser à quelque chose, mais justement, j'étais à Vannes il y a plus d'un mois avec notamment toi, Joël Labbé, et puis de nombreux militants, et il y avait un membre d'une asso qui nous parlait justement qu'à l'Armand-Vardenne, du fait eh bien, de l'urbanisation, il y avait une grosse difficulté pour le réseau d'assainissement à suivre et qu'on voyait les impacts et les rejets eh bien, dans l'eau, et justement, ils se battent là-dessus. Donc, justement... C'est les tuyaux qui sont pourris. Oui, voilà. Ils sont trop vieux. Oui, c'est ça. C'est que de base, ils n'étaient pas adaptés et ils se sont en fait détruits très rapidement. Et on les renouvelle tous les 160 ans ici. Voilà. Et quand on voit la forte urbanisation aujourd'hui, évidemment que ça ne peut pas suivre et que ça ne peut pas supporter. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a des outils juridiques qui sont mobilisables en matière de prévention, alors des pollutions en général, mais aussi donc, des pollutions justement impactant l'eau. Et ces outils, on le retrouve dans le droit de l'eau. Et l'un des principes fondamentaux qui permettent de lutter contre les pollutions, c'est le principe de gestion équilibrée et durable en eau, donc, qui vise donc, la protection de l'eau et la lutte contre les pollutions, donc, que ce soit des versements, les rejets, les écoulements, etc. Et les pollutions qui sont liées aux stations d'épuration, justement, sont comprises dedans. Et pour faire le lien, justement, avec l'Union européenne, le droit de l'eau a été largement favorisé par l'Union européenne et l'ensemble des directives et directives cadres qui s'appliquent à nous en France. Et notamment, on a la directive européenne de 1991, dont on parlait également, qui est relative au traitement des eaux résiduaires urbaines, mais comme ça a été dit, sa mise en œuvre aujourd'hui, elle est toujours compliquée, mais quand même, ça a donné des choses concrètement, notamment, on avait jusqu'à 2005, c'était à la limite de l'année 2005, que toutes les agglomérations qui étaient entre 10 000 et 15 000 EH, donc c'est une unité de pollution organique biodégradable, eh bien, devaient... Comment ? D'accord, oui, EH équivalent Vista, justement devait être équipé d'un système de collecte et de traitement secondaire avec notamment un traitement biologique. Donc aujourd'hui, on a donc un triple enjeu, c'est qu'on a une forte urbanisation où le réseau d'assainissement n'arrive pas à suivre et du coup, ça casse, ça provoque des rejets et des pollutions dans l'eau.
Et de l'autre côté, on a l'impact des pesticides également. Donc, justement, et ça revient encore avec nous, qu'est-ce qu'on peut faire au sein de l'Union européenne ? Eh bien, il faut absolument qu'on continue à se battre, et Benoît Biteau et bien d'autres députés européens l'ont fait, pour une transition juste et surtout respectueuse de nos milieux, que ce soit les milieux aquatiques et les milieux terrestres. Et pour ça, on se bat et on va continuer à se battre au sein de la prochaine mandature pour réduire d'ici 2030 eh bien, l'utilisation des pesticides de 80% et les engrais de synthèse de 20% et évidemment à commencer par les plus dangereux. Voilà.